côté nabino bisika tu bozwami na banda kunabino na ba bureau nabino na mituka nabino bisika tu bozali na ba téléphone nabino bali kolanda DRC news télévision et surtout mana kanabino oyo Jeff Badibanga communicateur de la République ayela kabino ba information yambo kanabiso République démocratique du Congo na yebike ebele bazali a osilika ebele bazali a osepela par rapport ya événement oyo esalemi mokolo ya lobi na kati ya ba primaire oyo esalemi mbala ya liboso na République démocratique du Congo na niveau ya Assemblée nationale donc la majorité au pouvoir la majorité parlementaire oyo tobengi union sacrée esalaki bongo ba primaire na yango pona ko désigner nani akozala candidat ya union sacrée na bokambi ya assemblée nationale oyo ezali la deuxième institution ya mboka na biso république démocratique du Congo. Les attentes étaient nombreuses vis-à-vis ya ba trois candidats oyo ba se portaki na élection wana ya primaire na niveau ya union sacrée. Alors sima ya vote Vital Kamerhe abimaki bongo candidat ya ba député ya union sacrée oyo ba portaki choix na bango epai na ye. La première prise de parole de Vital Kamerhe, vous allez l'entendre na décryptage ya actualité oyo tozali kosala labino mukolo mwalelo. Nous sommes là pour parler et surtout poursuivre oyo tolakaki bino ya avion militaire blindé russe oyo Vladimir Poutine azali ko mettre à la disposition de la République démocratique du Congo pour ainsi barrer la route à tous ceux qui y ont des velléités négatives de prendre l'est de la République démocratique du Congo. La prise de parole de G7, pourquoi aujourd'hui même, mercredi, Conseil de sécurité et Kokota pour statuer sur la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Et pourquoi le G7 s'était réuni dernièrement? Pourquoi également le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui mercredi pour statuer sur la situation de Grand Lac et notamment sur la situation de la République démocratique du Congo? Pourquoi toutes les missiles air-sol et les missiles sol-air? Yabanya Rwanda Oezala qui installé en contact avec le drone rwandais installé également dans le territoire de Rutshuru au travers du service de sécurité américain CIA Oezala qui détruit avec la complicité de la technologie russe utilisée dans la République démocratique du Congo. Nous allons essayer d'en parler. Paul Kagame est en train de pleurer parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui peut lui arriver dans 24 heures, dans 48 heures, après destruction, il y a système, il y a sécurité aérienne, Oyoye, Achaki, na mbokanaye pour na se protéger contre les drones installés en République démocratique du Congo par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons également essayer de parler de la situation de John Kabeya, le gouverneur du Congo central, du Kasaï central plutôt, qui s'attaque aujourd'hui au DG, il y a deux GI Bernabé Mwakadi. Voilà un peu le titre Yamasolo, Oyonaye Libino, Mukolo Malelo, sur DRC News Télévision. Comme je vous ai toujours dit, d'habitude, désormais, vous avez besoin de Jeff Badibanga, les communicateurs de la République, vous avez besoin des informations qui viennent fraîchement na source na yango, vous devez vous abonner massivement sur DRC News Télévision et là vous aurez l'opportunité de nous suivre chaque jour et d'avoir l'actualité détaillée de la République démocratique du Congo, l'actualité politique, économique, sportive. Donc toutes les informations de la République démocratique du Congo, c'est à retrouver sur DRC News Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue et surtout ceux qui ont liké qui dans l'émission T, je vous demande de liker l'émission, je vous demande de partager les liens afin de permettre à tous les Congolais de suivre cette émission en long et en large. 30 minutes m'est donné pour décrypter Nabino actualité politique. Naouti Koyebi Sabino, mes chers compatriotes, que l'Union sacrée, ba député Union sacrée, ba sali choix na bango. Le choix de l'Union sacrée, Ezali Vital Kamerhe. Avec l'aide, il y a technique. Tant que vous avez un dossier Vital Kamerhe, je vais vous balancer
la vidéo, la première prise de parole, il y a M. Vital Kamerhe. Ce qu'il a dit par rapport à Oyo Salemaki au niveau de l'Assemblée nationale. Mais j'aimerais que la sécurité de la République démocratique du Congo. J'aimerais que Salema à l'est de la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, le nom nazali ko solo la nabino. Mboka nabiso ezali sujet ya ba attaque. Mboka nabiso ezali sujet ya balkanisation parce que ba yini mboka ba dongolo misu ba lingi ba exploiter ba minerer nabiso. Bango moko bazwa ka ba bénéficia ka me kongole mukolo mabele azwa ka elo kote. D'où elo koyo boyoka ka mingi mingi balobaka. Le Congo est tellement riche alors que son le peuple ou soit la population congolaise ezali nango plus pauvre. Cela a été conclu en Allemagne, na Berlin. Boyebi lorsque s'est partagé l'Afrique par les colonialistes à l'époque. Ba yokana ki bakaboli bamboka tout, bakaboli oyoazu pordani ma Angola, oyoazu Centrafrique, oyoazu Congo Brazza, oyoazu boui. Arrivé à la République démocratique du Congo, moyen ba kabola République démocratique du Congo ezala kité. Ba lobi République démocratique du Congo ba kopesa ngo na mutu. Et Moutouango azalaki le roi belge. Et pourquoi ba pesa ki ango na Belgique te, ba pesa ki ango na maboko ya Moutou. C'était convenu que la République démocratique du Congo esengelaki ezala eloko ya Moutou nyonso. Donc chacun pouvait venir à la République démocratique du Congo, exploiter ce qu'il a besoin et partir sans pourtant être inquiété par quelqu'un d'autre. C'est ainsi que la même procédure a continué tout au long des années, même si la République démocratique du Congo avait pris son indépendance. C'est ainsi que, mes chers compatriotes, à l'époque de Mobutu, les Américains l'ont poussé. Ils l'ont utilisé. Et quand on a dit que l'intérêt na bango, et ça qui nous sous garantie na Mobutu, l'ongola qui est, le roi Désiré Kabila. Et lorsqu'ils ont vu que le roi Désiré Kabila, Azalaki quelqu'un de très fort, quelqu'un qui avait en lui le patriotisme, quelqu'un qui aimait son pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué Laurent Désiré Kabila et vous avez suivi un parlementaire européen, Kolobayete. Lorsqu'ils ont vu que Laurent Désiré Kabila était ferme, que Kabila ne voulait plus partager le minerai de la République démocratique du Congo avec les Occidentaux, sans que les Congolais puissent en être bénéficiaires, Baboma qui est pour le remplacer par quelqu'un qui avait une nationalité douteuse, par quelqu'un qui n'était pas loyal envers la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'on nous avait amené la personne au nom de Joseph Kabila, Oyo Aye Abakissi, la République démocratique du Congo, un chaos systématique, un chaos bien planifié, qui était le brassage et le mixage. Il fallait détruire le système de défense nationale. Il fallait affaiblir la République démocratique du Congo au travers de la sécurité. Parce que, soki Congo, mboka na biso ezali na système de sécurité ya makasi. Bango moye baya koyiba lisusu na Congo ezala kite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre un président de la République faible sur lequel on exercera des pressions et qui cédera à ces pressions-là. Lorsqu'il cédera aux pressions, il y aura ce que eux appellent le brassage et le mixage. Voilà pourquoi l'accord Oyo Sinyamaki, le 13 mars, na niveau ya Kampala en 2013, Joseph Kabila a ndima kopé sa frontière na biso na Banyarwanda. C'est la police rwandaise, c'est l'armée rwandaise qui effectue le patrouille na niveau ya frontière na biso. Donc, le là vous regardez que nos frontières ils allient incontrôlables. Bah toi allie qu'on contrôle les frontières na biso ils allient Banyarwanda. L'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, qui lui, avec le patriotisme en lui,
il a voulu mettre fin à cette histoire. Oyo ya que sécurité na biso ezala na maboko ya banyarwanda, sécurité na biso ezala na maboko ya ba étranger. C'est d'où est venue la guerre ya ba M23. Comme Tshisekedi n'a pas voulu continuer na continuité oyo prédécesseur na ye a tchaki, c'est ainsi que ba boudaki l'autorité de Tshisekedi. Ils sont allés recruter le même personne, le Willy Ngoma, le Bertrand Bissimwa, le Sulutani Makengo et les autres pour redémarrer la même opération, il y a agression. Et cette fois-ci, ils ont heurté contre la détermination des Congolais qui ont compris les jeux des étrangers. Le jeu de l'étranger, c'est quoi? C'est toujours nous infiltrer, c'est toujours nous amener à être coincés, tous à la coincée pour la condima, bah, oyo bango, azali nango, comme pose ça sur la République démocratique du Congo. Maintenant qu'ils ont heurté contre la détermination, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont vu Tshisekedi partir de l'autre côté. De l'autre côté, je vais dire, de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de l'Afrique du Sud, de l'Inde et du Brésil, bah, on va aller former le BRICS. BRICS, ils allaient maintenant un bloc qui est en train de battre le bloc où ils allaient à OTAN, dans les États-Unis d'Amérique. C'est maintenant que je commence mon émission parce que je devais vous faire un petit rappel de l'historique de la République démocratique du Congo pour que vous puissiez comprendre ce que je vais commencer à dire maintenant. Maintenant que le deux blocs, ils allaient qu'on s'est chamaillé sur le plan international. Le deux blocs se battent pour la cause de la République démocratique du Congo. Dernièrement, vous avez vu l'envoyé spécial. Il y a président iranien Ayé Awa en République démocratique. L'envoyé spécial, il y a président iranien Ayaki Awa. Il a demandé au président Tshisekedi d'accélérer l'adhésion de la République démocratique du Congo dans le BRICS. Et de l'autre côté, la Russie met à la disposition de la République démocratique du Congo toute sa technologie militaire. Na minute yo, Paul Kagame a yébité. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, vous devez le retenir aujourd'hui, Paul Kagame vient de changer de résidence. Pourquoi? Le système de défense aérienne du Rwanda vient d'être détruit par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le missile air-sol. Beaucoup de gens n'entendent pas le missile air-sol et l'ingio lobanine. Le drone que les Américains avaient installé pour le Rwanda, ces drones-là avaient des missiles rattachés. Missile Wana Yangonde et Atakati à l'aéroport Yagoma dernièrement. Alors, missile Wana faisait pression. Et le drone qu'ils avaient installé contrôlait les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Et la station antimissile, la station, la protection aérienne, et bandaki ko brouillé, y a mis ce drone, moyen fonctionnel ici sur les Alakiti. Mais dans la minute, ils n'ont pas compris comment est-ce que ces différents systèmes installés par les Américains ont été détruits. Ils n'ont pas compris comment les missiles air-sol, Oyo bango ba installa qui rattaché na ba drone ont été interceptés et neutralisés par l'armée congolaise. Et c'est là, mes chers compatriotes, que vous allez voir le mercredi, Oyo bazo solola na bino, le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence. Avant-hier, c'était le G7 qui s'était réuni en urgence. Et quand je parle de G7, je vois l'Allemagne, je vois la Belgique, je vois le Canada, je vois le Japon, je vois la Grande-Bretagne, je vois les États-Unis d'Amérique. Les sept pays qui se sont réunis pour parler République démocratique du Congo. Et lorsqu'ils ont parlé République démocratique du Congo, après avoir su que la RDC a détruit tout le système de défense aérienne du Rwanda, après avoir appris que la RDC a intercepté tout le missile air-sol rattaché au drone rwandais et que tout le drone rwandais est allé par terre, se réunir pour demander un cessez-le-feu entre les deux pays. Parce qu'ils ne savent pas ce que Tshisekedi prépare. Ils ne savent pas comment est-ce que les forces armées de la République démocratique du Congo, Bazoua qui m'a coquille, ou les coca qui ont intercepté ma missile, ou les Américains qui ont installé
48 heures avant cérémonie, il y a anniversaire, il y a génocide rwandais, oh, et ça les marqué en 1980, en 1994. Et la minute, c'est la panique totale au niveau de l'Union européenne. Le deux blocs se séparent. De l'autre côté, l'Agence nationale de presse russe vient de communiquer ou soit de rendre public ce qui a été convenu entre le président Tshisekedi et le président Vladimir Poutine. Et dans 48 heures, le représentant du président Vladimir Poutine, Bako Kitanaville, à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Pourquoi ils viennent en République démocratique du Congo? Ils viennent préparer l'arrivée des 5000 militaires russes. Les 5000 militaires russes viendront pour faire quoi? Voilà pourquoi, maintenant, je vais commencer à vous lire qu'est-ce qui a été convenu entre la Russie et la République démocratique du Congo. Parce que, mes chers compatriotes, vous devez savoir que dans ce monde politique, il n'y a que les intérêts qui priment. Moutouako Sabinote, que Tshisekedi Nenga Zaliwana, Aliko Banga, ba Américain, que Tshisekedi Nenga Zaliwana, Aliko Banga, ba Français. Pour votre information, grâce à la destruction de ma système wana, lobby Emmanuel Macron a béni Paul Kagame na téléphone parce que Paul Kagame est inconsolable. Paul Kagame ne sait pas comment se protéger. Il change de domicile. Il ne sait pas comment est-ce qu'il doit protéger ses citoyens. Aujourd'hui, c'est la débandade totale, même dans le camp du M23. Je dois vous le dire, le système de repli stratégique commence à s'exercer dans le camp du M23. Au lieu que l'armée n'a pas eu le repli stratégique, c'est là, cette fois-ci, c'est au Rwandais de faire le repli stratégique. Côté armée Zaliko Banga, armée n'a pas eu Zokokate, armée n'a pas eu, pourquoi pas ça le repli stratégique? Ce qui aidait le Rwandais à avancer, à conquérir les localités, à conquérir le village, c'était la traîtrise qui se retrouvait au niveau de l'armée congolaise. Depuis que traîtrise wana, ba komi kokanga ba traître, depuis qu'on a installé la peine de mort, ba traître wana ba diminué, ba traître wana ba zali sous une armée T. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, na minute na zo solola na bino, c'est une débandade totale dans le camp du M23. Bon, moi, j'ai recruté 8000 hommes. Bientôt, je vais prendre Kinshasa. Les 8000 hommes recrutés, banawana, bazali, banamité forcés, des prisonniers rwandais qui étaient en prison au Rwanda, ramenés dans le Rutshuru par force, par Paul Kagame, pour avoir une formation afin de combattre les FARDC. Mais le lot, il y a des drones, il y a des gens qui sont en train de se faire, la position de FARDC, la route qui est neutralisée. Tous interceptés. Et de l'autre côté, M. Macron appelle Kagame pour lui dire quoi? Kagame, faites attention à l'intégrité de la RDC. Na minute, nous n'avons pas le circuit de sécurité à RDC. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et de l'autre côté, le G7 parle d'un cessez-le-feu parce que Monique, le Rwanda est en danger. Parce que vous devez savoir que le Rwanda a été toujours protégé par la France. Le Rwanda était toujours protégé par les États-Unis. Et d'ailleurs, le premier ministre britannique à outil qu'on dévoilait. Na niveau de l'Assemblée nationale, il y a des Britanniques, donc des Anglais. Ba outil qu'on ratifié, qu'on accordé l'accord du Parlement pour être réfugié, tout va refouler, wana, ou ba Kendaki Grande-Bretagne, le Kenyan, donc des musulmans, wana, ba terroristes, wana, ou bazana katcha Grande-Bretagne, ba refouler bango na Rwanda. Et le Rwanda avait donné son accord à la Grande-Bretagne, kazali na place ya kotia bango. Place ni Yokotia Bango, c'est dans le Kivu. Et selon le département américain, le Kivu appartient déjà au Rwanda. Donc, selon les Américains, la balkanisation est déjà officielle. Voilà pourquoi la Grande-Bretagne et les États-Unis, la même chose, bah, ils ont collaboré pour installer ces criminels terroristes pour continuer à déstabiliser la République démocratique du Congo. C'est ainsi que Fatih a vu qu'il faut maintenant faire le rapport de force. Et le rapport de force aujourd'hui, je peux vous dire avec toute tranquillité que le chef d'état-major rwandais de la Russie, permettez-moi, vient de publier publiquement, excusez-moi la tautologie, l'accord militaire,
Et ce qui donne aujourd'hui la réponse, na oyo ba kongomani ba bandaki kolela ko se poser des questions. Qu'est-ce qui a été publié? Quand je vous ai dit que l'avion militaire blindé ba installé yango, ba doté yango, ba tiango à la disposition de l'armée congolaise. Mais l'avion militaire blindé pour que ça ait l'eau mouké. Par rapport à Oyo, na Zelibino, na Agence nationale de presse RIS. C'est publié publiquement au côté de l'Agence nationale de presse RIS. C'est écrit na langue na bango ya barus. Mais tu peux traduire, traduire ça en français. Et moi, je l'ai fait pour vous parce que j'ai besoin à ce que vous puissiez avoir la vraie information. Le russe déterminé a apporté à la République démocratique du Congo la technologie compétente. Et bah, système aérien rwandais, il y a défense rwandais, Ozala qui détruit. Non, c'est le russe qui l'ont fait. Et comment ils l'ont fait, vous allez l'entendre et le comprendre ici par rapport à l'Agence nationale russe. On a publié communiqué, on a Congomani tout, et Sengeli, parce que tout ce que les Congolais cherchaient, tout ce que les Congolais attendaient, c'était la matérialisation de cet accord. Mais M. Setambov, le ministre ou soit l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, lui également s'est exprimé sur ce que je suis en train de vous dire. C'est pour vous dire que l'information que je vous donne, ce n'est pas une information fabriquée, mais c'est une information dont je vous donne même les sources des informations. Allez à l'ambassade de la Russie, allez na Internet, cliquez l'Agence nationale de presse russe, vous allez trouver l'accord. Oyo, ezali ko signamé, et ce que l'armée russe est en train de faire pour aider la République démocratique du Congo à retrouver l'intégrité de son territoire. Je vais vous en passer dans ma technologie, ma littérature rébellée, mais je vais vous mettre, chers compatriotes, que trois points essentiels. Oyo, ne qui même l'avion militaire blindé, même des navires. Au moment où les navires ont été bêta na Ukraine wana, moko zali ko kita, pe ko zala na lac Edouard pour contrôler nos frontières lacustres. Le par frontières lacustres, vous devez entendre que ba lac zali ko séparer bisona Rwanda na Uganda wana et ko zala contrôler si ko par des navires maritimes. Donc le navire militaire, il y a ba russe ou ba pesi na armée congolaise. Mais la bonne information, ezali que en effet la République démocratique du Congo, qui a plus ou moins la même superficie que l'Union européenne, va être désormais sécurisée sur toute l'étendue de ses provinces, du nord au sud et de celles de l'est à l'ouest, à travers des bases militaires bilatérales russo-congolaises dotées des armements militaires, de missiles et des antimissiles de la dernière génération. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ba ko doté République démocratique du Congo na ba base militaire ou ko zala doté na ba armement militaire de missiles et des antimissiles de la dernière génération. Le missile et les antimissiles de la dernière génération, yango nde ko ici ba missile ya ba Rwanda, yango nde ko ici ba missile wana oyo na ba drone oyo zala ki rattaché na territoire ya Rutshuru. Le système aérien rwandais est détruit grâce na ba missile oyo Russie a doté République démocratique du Congo. Le réseau de satellites touristes GLONASS. GLONASS est l'ingé l'obanine, Global Navigation Satellite System. C'est un dispositif robuste du système russe de géopositionnement qui domine sur la suprématie, voire l'hégémonie civile et militaire du GPS, qui vient d'incorporer les 2 345 000 km² de la République démocratique du Congo. Donc, dans le minute, les 2 345 000 km² de la République démocratique du Congo sont déjà prises en compte, sont déjà prises par le géopositionnement via satellite russe.
La République démocratique du Congo sera divisée en trois grandes zones de défense constituées de la manière suivante. La première zone de défense comprend le Grand Bandundu, la ville de Kinshasa et le Congo central. Et la deuxième zone de défense, ça prend tous les Kasai, les grands Katanga. Et troisième zone de défense, c'est Zozoa. Partir à Kindu dans le Maniema, vous prenez les Haut-Ouélé, les Bas-Ouélé, vous prenez le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri. Et place Wana, Neba Kotia Sikoyo, la base militaire russo-congolaise. Et cette base militaire russo-congolaise, avec 5000 militaires russes, qui désormais vont occuper toutes les bases Oyobayi Monisco Bautaki Potika. Les gens n'avaient pas compris pourquoi Fatia Bengana ki Monisco, pourquoi Fatia avait appelé à la Monisco à partir et pourquoi il y a eu le plan du retrait accéléré ya Monisco. C'était pour que la Monisco puisse partir parce que la Monisco est allée service à renseignement américain Oyobachak na République démocratique du Congo. Pena minute yo, le bas yo bango batikati et kozala occupé par le militaire russe et par le représentant ya président Vladimir Poutine qui sont attendus à Kinshasa dans quelques jours. Voilà un peu, mes chers compatriotes, comment la situation de l'Est est en train de changer. Et au Rwanda, c'est la peur. Et au Rwanda, c'est une débandade. Vous avez vu dernièrement, le chef d'état-major rwandais s'est déplacé pour aller parler avec son homologue ougandais sur la manière qu'il faut se défendre si la République démocratique du Congo allait lancer les attaques. Et pour l'instant, les forces armées de la République démocratique du Congo réaccardent par le dernier bataillon à commando où tu consignes sa formation à niveau Yakindu dans le maniement, dont le VPM de la défense nationale lui-même était parti pour aller les encourager, pour leur demander la loyauté, pour leur demander de se battre pour la République démocratique du Congo, avec l'arrivée des armements, des missiles, d'installation du système de géopositionnement, du système militaire, de la technologie militaire, des antimissiles et des missiles de dernière génération dont la Russie vient de doter à la République démocratique du Congo, je peux vous dire que dans quelques jours, cette guerre prendra fin. Ce que les Américains peuvent dire, ce que le G7 peuvent dire, ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies peut dire, ça nous importe peu. Ils peuvent nous demander aujourd'hui de dialoguer parce que la seule position plutôt, Oyo Américain Bazali Nango, Oyo Belge Bazali Nango, Oyo G7 Bazali Nango, ils allient à côté de Kabissona dialogue. Si c'est qu'un dit pas l'objet à dialoguer, tant que Banyarwanda va aux alas sur les sols congolais, tant qu'ils seront sur les sols congolais, nous allons nous battre pour que notre territoire ne puisse pas être balkanisé. Voilà le premier point. Maintenant, le point qui dérange les Congolais, les Kamwa Vital Kamerhe. C'est aux Congolais de parler. C'est aux Congolais d'exprimer leurs sentiments. Nous sommes dans un pays démocratique. La liberté d'expression est garantie par la Constitution. Vital Kamerhe est passé président, candidat président à l'Union Sacrée. Les députés de l'Union Sacrée ont voté Vital Kamerhe. Bamsous Balobi, Vital Kamerhe Azali, l'homme le plus fidèle de Félix Tshisekedi. Nabandeli Lissous, Vital Kamerhe est l'homme le plus fidèle de Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe est le faiseur du roi. Vital Kamerhe est le meneur de jeu. Il nous explique cela comment. Parce que Vital Kamerhe, tel que vous le voyez, balobi que pendant que Bahati et Mboso, Bazala qui na FCC, Bazala qui combattre campagne à Ramazani Shadari en 2018, Vital Kamerhe s'était donné la tâche de battre la campagne de Félix Tshisekedi en 2018. Vital Kamerhe avait tourné le dos à l'argent de Moïse Katumbi, à tous ceux qui s'étaient restés à Genève pour soutenir la candidature de Fayulu. Kamerhe a pesé Kibango Mukongo. Il avait crié à la détermination et à l'avenir de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi il est l'ami fidèle pendant le temps de disette,
pendant les mauvais temps, il a accompagné Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui que Tshisekedi est au pouvoir, ce n'est que normal. Et aussi par rapport à Maponami, il y a législative, il y a Vital Kamerhe arrive en deuxième position. Après l'UDPS, comme la deuxième force au niveau de l'Assemblée nationale. Et comme Kamerhe est la deuxième force au niveau de l'Assemblée nationale, comme l'UDPS a pris la primative, c'était de son droit que Kamerhe a zalanaye président de l'Assemblée nationale. Est-ce que Vital Kamerhe, il a la compétence pour diriger l'Assemblée nationale? Personne ne peut s'en douter. Kamerhe est intelligent, Kamerhe a étudié, il a ses compétences pour juger, pour diriger l'Assemblée nationale. Lui-même, d'ailleurs, si je parle le même langage avec la technique, on peut vous balancer la première réaction de Vital Kamerhe. Et comme ça, vous allez comprendre ce que nous allons dire après. Je suis quelqu'un de conviction d'abord et de foi en Dieu. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leur desiderata. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns et des autres. Et puis finalement il a dit pourquoi pas. Ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit mais pourquoi pas nous renvoyer aux primaires. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement, de nous livrer à ses primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. C'est pas facile. Le cœur bat la chamade là-bas. Quand on commence à citer les noms, Kamerhe, Mboso, Bahati, Kamerhe, Mboso, Bahati, c'est pas facile. Mais nous sommes des politiciens. Nous savons que des sommes, des échecs, toujours, on arrive à la réussite. Mitran avait fait 21 ans avant d'accéder à la présidence de la République. En 30 secondes, vous revenez après combien d'années ici avec ces ambitions d'être à la tête de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on peut compter sur vous pour certaines réformes institutionnelles? Après 15 ans exactement, et vous pouvez compter sur moi puisque en peu de temps déjà, en 2 ans et 3 mois, j'avais fait beaucoup de réformes. Et là, j'en ai beaucoup dans ma tête, déjà en préparation. Si le gouvernement est en retard, moi je vais les faire sous forme de propositions, de lois, et on avance parce qu'il y a des possibilités. Ambosu Yabat. Est-ce qu'on peut vous craindre comme président de l'Assemblée nationale devant certaines questions délicates du pays? Peut-être que ça ne peut pas marcher avec... Non, moi je voudrais réhabiliter l'Assemblée nationale, que les gens respectent l'Assemblée nationale, puisque les institutions de la République sont connues et bien listées dans la Constitution. Il y a le président de la République, qui est la première institution, il y a l'Assemblée nationale qui est la deuxième institution, il y a le Sénat qui est la troisième institution, il y a le gouvernement qui est la quatrième institution et les cours et tribunaux, cinquième institution. Et une autre institution dont on ne parle pas assez mais que vous connaissez, c'est les médias. C'est une force et un pouvoir. Et donc nous allons faire en sorte que nous puissions réhabiliter l'Assemblée nationale. Donc faire en sorte que les députés nationaux soient respectés au même titre que les sénateurs américains, au même titre que les députés français. Que le ministre, quand il est interpellé, qu'il se prépare en conséquence parce que nous allons évaluer constamment le travail des ministres pour aider le président de la République à réaliser son rêve des 6 promesses faites au peuple congolais. Nous le ferons dans la loyauté et dans le respect des séparations de pouvoir. Que personne n'ait peur. Ce n'est pas la première fois que je l'ai fait. Vous comprenez, mes chers compatriotes, que Kamerhe lui-même dit qu'il veut redorer l'image de l'Assemblée nationale. Beaucoup de choses se sont dites sur Vital Kamerhe.
Kamere Moïbi, Ayibi Mbongo à 100 jours. Beaucoup de choses se sont dit. Kamere n'est pas congolais. Azali infiltré. Cette fois-ci, nous avons l'occasion de voir réellement si tout ce que les Congolais sont en train de dire est vrai par rapport à Vital Kamerhe. Parce que l'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution de la République démocratique du Congo. J'ai entendu beaucoup de personnes me dire Vital Kamerhe nenge bozali komona yewana azali mutoyo aliko travailler pour faire chuter Tshisekedi. Donc il sera comme un vice-président de la République, il commencera à s'afficher partout où Tshisekedi sera. Et donc nous nous attendons de voir. Mais nous savons que Vital Kamerhe, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, à l'époque de Joseph Kabila au pouvoir, les choses avaient changé. Et je ne peux pas beaucoup parler parce que nous attendons le choix qui a été porté sur Vital Kamerhe, que les Congolais puissent eux-mêmes juger Vital Kamerhe par rapport à Moussala Oye à Kossal et là-bas Congolais. Parce que l'Assemblée nationale, ils allaient parler du peuple. Ils allaient Ndaku Yaba Imboka. Et Ba Imboka va tchè Bango, va tchè qui va député. Va député, va tchè Vital Kamerhe. Et maintenant, les Congolais jugeront Vital Kamerhe par rapport à Moussala Oye à Kossal et là-bas. Et nous allons à ce moment-là dire si Vital Kamerhe c'est un traître ou pas. Mais à ce net instant, comme il est déjà désigné, il n'y a rien d'autre à faire. Nous devons le faire confiance et attendre à ce que nous puissions le juger par rapport au travail, au service qu'il va rendre à la nation congolaise. Et puis, mes chers compatriotes, cette histoire qui est en train de se passer au niveau de Kasaï, je vais chuter par là pour parler de la province du Kasaï central. Je suis sidéré. Permettez-moi d'être un peu plus dur. Ce qui osa na kananga, zwa émission oyotine de la John Kabea. Moutoua Azali gouverneur. 5 ans comme gouverneur, ya Kasaï. Tu n'as rien fait pour la province du Kasaï. Nabande Lissous, 5 ans comme gouverneur. Détournement sur détournement. Détournement sur détournement dans le Kasaï central. John Kabea, le gouverneur, le nom il est agité. Pourquoi il est agité? Parce qu'il n'a pas réussi le soutien de certains cadres qui sont fidèles, loyaux à la vision de Félix Tshisekedi. John Kabea est en train de critiquer, de s'agiter, d'incriminer les gens qui ont comme seul objectif la loyauté, servir le pays selon l'idéologie de Tshisekedi. Le même, John Kabea veut se représenter comme gouverneur dans le Kasaï central. Mais ce qui aux allés sur Nayo, que Okokomanayo gouverneur, que le député provinciaux élus dans le Kasaï central vont te voter. Mais tu dois juste exposer le bilan de ton travail, de ton premier mandat que tu as fait dans la province du Kasaï central. C'est inutile de venir incriminer d'autres personnes au baboy qu'au soutenir yo. Parce qu'ils sont loyaux et ils sont fidèles derrière le parti au pouvoir et derrière la hiérarchie du parti. Et comme M. Bernabé Mouakadi, le DG, il y a DGI, a voulu qu'on soutenir Yo. Tu as demandé son soutien à soutenir Yo dans la mafia Yo au Sali dans le Kasaï central. Dans le détournement Yo au Sali dans le Kasaï central. Tous les projets initiés par le chef de l'État dans le Kasaï central, ils n'ont jamais abouti parce que John Kabea s'est illustré par le détournement. Et aujourd'hui, lorsque Bernabé regarde que lui doit s'aligner dans le mode d'ordre, il y a parti. Et que les tshisekedistes sont des gens qui ne se font pas corrompre. Et la DGI sous le leadership de Bernabé Mouakadi et Saliba Record depuis l'histoire de la République démocratique du Congo. Le record que la DGI a enregistré, c'est avec Bernabé Mouakadi parce qu'Azali n'a aligné à Etienne Tshisekedi Wamulumba. La gestion des finances sans corruption,
pas de détournement. Mobilisation de recettes. Le maire Lukiya ya ko soutenir yo. Ame mayo lisusu na deuxième mandat na babuzo banayo. Olie ya ko kende ko pesa bila ya mosala yo osali na Grand Kasai. Na Kasai central. Parce que dans le Kasai central, tu y as dirigé plutôt. Et lorsque tu as dirigé, tu y as le bilan à présenter. Va présenter ton bilan à l'Assemblée provinciale de Kanana, de Kasai central, au niveau de la ville de Kanana. Et laisse, et nous te mettons en garde, laisse d'utiliser le nom d'autres personnes qui ne sont pas intéressées, qui ne sont pas ni de près ni de loin intéressées dans Makamezo Salema, dans le Kasai central, pour justifier ton bilan. Koye bisaba na Kananga eloko saleli bango. Koye bisaba na Kasai central eloko saleli bango. Est-ce qu'il faut que Mwakadi aya ko corrompre bana Kananga? Soto sala ki musala kitoko. Est-ce que Mwakadi akoya ko corrompre bana Kananga pour ba voter yote? Non, c'est aux députés d'aller convaincre monsieur. Arrête de discréditer, de salir l'image ya bato ba biko sunga tata mukonzi ayiko. S'il y a des gens qui ont aidé le chef de l'État, il y a Bernabé Mwakadi, il est dedans parce que Bidje Soki et Mati, la DGI en a contribué na Montaya Mounene et c'est grâce à la détermination à Bernabé Mwakadi où il y a sali mobilisation record de recettes au travers de la Direction Générale des Impôts. Et maintenant, tu veux me salir au nom Azali ko soutenir Moutoumoussousou, à Boyingaï, et c'est ainsi que Azali ko corrompre et battre. Et j'ai vu même le fédéral, il y a eu deux pèses na niveau Kasai Central, corrompu par John Kabeya, a sali un communiqué, semblant de communiquer pour soutenir les anti-valeurs. John Kabeya, c'est un anti-valeur. Ce qui aux anti-valeurs, tende que ça la promotion dans une assemblée provinciale. Laisse le nom de Mwakadi dans ta bouche. Mwakadi n'est ni de près ni de loin intéressé dans Makambo et Zali Koleka dans le Kasai central. Mais c'est à toi qui avais l'honneur de diriger cette province de dire. Nabato yo dirijaki, qu'est-ce que tu as fait pour eux? Ton bilan est négatif. Au sali et le côté. Zela Kalambambo, je dis le lot, rien. Tous les projets, tu les genoux dans le Kasai central, rien. Tous les projets 100 jours dans le Kasai central, rien. Détournement sur détournement, tu dois justifier le moyen de l'État qui ont été mis à ta disposition. C'est ainsi que nous mettons point final à ce numéro de décryptage Yamukolo Malelo. Vous pouvez nous appeler au plus 243-81-717-1197, plus 243-81-717-1197. C'est notre numéro de contact. On se retrouve demain sur la même chaîne avec le même plaisir. Ciao.